Chers téléspectateurs d'Africa 24, merci de nous accueillir chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage. Au Burkina Faso, la SONAGES est chargée de la gestion du stock de sécurité alimentaire. Elle œuvre par ailleurs à développer de nouvelles stratégies d'appui à la commercialisation des produits locaux de grande consommation, à savoir le maïs, le mil, le sorgho et le riz. Pour nous parler des activités de cette structure, nous recevons Fimba Julien Lompo, il est le directeur général de la SONAGES, Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire. Pouvez-vous nous présenter la SONAGES, Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire du Burkina Faso? Je voudrais d'abord dire que la SONAGES a été créée suite à la dissolution donc, de l'OFNACER, l'Office national des céréales, en 1994. Les principales missions assignées à cette société sont entre autres la gestion du stock national de sécurité, la gestion du stock d'intervention, la gestion des aides alimentaires, la gestion du stock commercial et bien d'autres activités, notamment dans le cadre du partenariat avec les services étatiques. De quelle stratégie de collecte dispose la SONAGES? Satisfait-elle ses partenaires qui sont d'une part des producteurs et d'autre part des commerçants? La SONAGES met l'accent essentiellement sur les produits locaux, à savoir les céréales de grande consommation, notamment le maïs, le mil, le sorgho et le riz. S'agissant donc de la collecte des produits, il y a plusieurs canaux. Le principal canal, n'est-ce pas, de collecte est l'appel d'offres à concurrence. Et là, nous lançons un appel d'offres. Les commerçants qui sont dans les céréales soumissionnent. On fait le dépouillement et une fois que les dépouillements sont faits, les lots sont attribués et la société attend simplement la livraison. Certes, cela ne va pas toujours sans problème parce que souvent, il y a des soumissionnaires qui sont attributaires mais qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre donc, du marché. Mais Dieu merci, cela se passe sans trop de casse. Le deuxième canal, nous passons à travers également les filières. Vous savez qu'on a des unions. On a des associations de producteurs. L'État accorde une part importante, n'est-ce pas, de la collecte des céréales à ces structures-là. Et cela participe de la volonté de l'État à encourager ces structures-là à aller de l'avant dans le sens donc, de la production locale. Que fait concrètement la SONAGES pour garantir la sécurité alimentaire? C'est une question d'actualité et une question pertinente. Vous savez, la question donc, de la sécurité alimentaire a toujours été le leitmotiv du gouvernement. Le gouvernement, le ministère de l'Agriculture, récemment vous avez suivi, il y a eu une cérémonie autour donc, des légumineuses. Et tout cela participe, n'est-ce pas, de la volonté du gouvernement, de voir dans quelle mesure il peut apporter un appui conséquent à cette question de sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, les actions menées par la SONAGES, notamment à travers l'opération boutique témoin, contribue un tant soit peu à amoindrir les prix donc des céréales et également à rapprocher ces céréales-là du consommateur. Si vous faites un tour dans la ville de Ouagadougou, vous verrez qu'il y a des boutiques un peu partout, dans pratiquement tous les quartiers, nous en dénombrons environ 52. Et tout cela, c'est pour permettre justement au consommateur d'avoir ces céréales à un prix raisonnable. Je donne un exemple. Partout où vous allez, que ce soit à Banfora, que ce soit à Douri, que ce soit à Ouéguia, le prix du sac céréales SONAGES est vendu, le prix du sac donc, de 100 kg est vendu 12 000 francs les sacs. Quelles sont les actions que vous prévoyez entreprendre pour améliorer la qualité de vos services dans les prochaines années? Au titre donc, des perspectives, je dois dire que l'État fait de grands efforts. L'État fait de grands efforts. Je vais juste citer le budget alloué à la collecte donc, des céréales, qui a connu une évolution importante. Donc c'est dire que l'État prend en compte la question donc, de la sécurité alimentaire et par conséquent, il met les moyens à la disposition de cette structure-là pour pouvoir aller de l'avant. Récemment encore, nous avons reçu un appui du ministère donc, des Finances portant sur environ 1,5 milliard pour en tout cas poursuivre l'opération de collecte de céréales. Et en plus de cela, nous œuvrons de manière à ce que la société puisse développer des activités lucratives. C'est ainsi qu'on est en train de voir dans quelle perspective, dans quelle mesure on peut mettre en place une centrale d'achat. Et cela va permettre à la société, comme je le disais tantôt, c'est une société à capitaux purement étatiques. Si la société pouvait de temps en temps dégager des revenus, il pourra les réinvestir et il pourra aussi contribuer un tant soit peu
à amoindrir la contribution de l'État dans la mise en œuvre de ses missions. Quel bilan faites-vous de l'action de la SONAGES depuis votre nomination au poste de directeur général? Vous savez, c'est toujours très difficile, n'est-ce pas, de s'apprécier soi-même. On préfère laisser les consommateurs, ceux-là qui travaillent avec nous, ceux-là qui consomment les produits SONAGES, n'est-ce pas, nous apprécier. Mais ce que je peux dire, c'est que la société, avec l'appui de l'État, l'accompagnement des services partenaires, se porte plutôt bien. Elle est excédentaire. Et les difficultés, vous savez, en matière donc, de gestion, il y a toujours des difficultés, mais ces difficultés sont minimes par rapport aux résultats, n'est-ce pas, engrangés par la société.